D'abord, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de faire le point sur la situation du VTT au Maroc. Comme pour toutes les disciplines, nous avons aussi subi le contre-coup de cette situation sanitaire. Le calendrier des courses VTT cette année n'a pas pu être réalisé, donc en raison de cette pandémie. On avait organisé 25 courses nationales et 3 courses internationales. Et nous avons prévu d'organiser pour la première fois le Ifrane Trophy Bike. C'était pour le mois avril 2020. Cependant, malgré cette situation sanitaire qui est précaire, les entraînements des clubs ont été maintenus. Pourquoi? Parce que le VTT, c'est une discipline qui se pratique essentiellement en forêt, individuellement, et se pratique en montagne. Et cela a permis de poursuivre les entraînements assez régulièrement. Cependant, nous avons organisé des formations diplômantes en ligne, homologuées par l'UCI. Et ce programme a été animé par M. Abdrahim Ariadi. Il y avait la formation des entraîneurs, la formation des commissaires et des cours sur la nutrition et sur l'utilisation des applications mobiles pour poursuivre les entraînements par GPS. En 2021, nous avons prévu de déposer une candidature auprès de la Confédération africaine de cyclisme pour organiser le championnat arabe, soit le championnat d'Afrique de VTT. Et notre souhait, c'est d'organiser une manche de la Coupe du Monde, ici au Maroc. La formation des commissaires va nous permettre l'année prochaine d'organiser des courses sur des circuits homologués par notre commission et qui respectent les normes du l'UCI. Et par la même occasion, l'année 2021, on va maintenir le calendrier de l'année 2020 et surtout insister sur la première édition de Ifrane Trophy Bike, qui va être un événement national et international. Donc, en résumé, c'est ça l'état actuel du VTT au Maroc. Et ce sera l'occasion aussi pour remercier les membres de la Commission nationale de VTT qui ont fait un travail exceptionnel durant ces dernières années. Ce sont des experts en VTT, ce sont des anciens sur le terrain depuis les années 90. Je veux nommer M. Abdrahim Ariadi, M. Melki Mohamed de Casablanca et M. Aziz Mansrer d'Agadir. Merci.